pour avoir assisté à déjà deux défilés, je peux vous dire qu'il y a quelques pépites, notamment une tenue fabriquée avec des capsules de café. Je suis Yannick Jouen, je suis le directeur de la communication de l'association Les Liens du Cœur, qui est l'association du service des cardiopathies congénitales du CHU de Bordeaux. Et on est ce soir ici à Tivoli pour assister à un défilé de mode organisé au profit de l'association par le collectif Plus on est de fous, plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit, s'est mobilisé pour organiser ce défilé au profit de la construction de la maison d'accueil des familles que les Liens du Cœur vont construire sur le site de l'hôpital à Olévêque. C'est un défilé de mode pas tout à fait comme les autres, puisque toutes les tenues ont été faites à partir de matériaux recyclés. Pour avoir assisté à déjà deux défilés, je peux vous dire qu'il y a quelques pépites, notamment une tenue fabriquée avec des capsules de café, qui vraiment mérite le coup d'œil et qui, je pense, sera vendu aux enchères à la fin du défilé. C'était énorme, franchement, c'était, il y a eu un monde fou, ça se passe super, ça s'est super bien passé, il y avait une ambiance super, et puis je pense qu'on a récolté pas mal de fonds pour les Liens du Cœur, donc c'était le but, et c'est une réussite, je pense, franchement. Il y a même des gens qui sont revenus, qui étaient là à 14h30,
qui ne prenaient pas au sérieux et qui sont revenus ce soir à 21h30. C'était très gai, les gens vraiment ont beaucoup ri, c'était le but en plus. Je tenais à remercier Marie et le collectif Plus on est de fous, plus on rit. Ça fait un an que ce collectif travaille pour organiser ces trois défilés et ce défilé de 21h. Et elles ont réalisé un travail juste extraordinaire avec 50 bénévoles. Donc merci à Marie. Et en effet, plus on est de fous, plus on rit.